en tête sur les deux temps intermédiaires, le russe Vyacheslav Ekimov de la formation US Postal va accentuer son avance dans la dernière partie de la course le long de la Méditerranée et s'imposer sur le contre-la-montre final de Paris-Nice 97 en un temps de 22 minutes 27 secondes et 7 centièmes à 53,18 km/h sur les 20 km tout plat entre Antibes et Nice. Il a devancé son compatriote et vainqueur du Giro 1994, Evgeny Berzin, de 30 secondes, tandis que la troisième place va être décernée à Tom Steels, le sprinter, à 37 secondes. Du côté de Laurent Jalabert, eh bien, il va gérer ce contre-la-montre final. Il va finir 7e à 44 secondes et décrocher un troisième succès consécutif sur Paris-Nice au classement général. Donc, voici donc le top 10 de cette dernière étape avec la victoire de Ekimov et le classement général final avec un podium composé de Laurent Jalabert, Laurent Dufaux et Santiago Blanco. Ciao tout le monde.